Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vous donne un petit peu de nouvelles. On est le 14 juillet à Saint-Julien-les-Messes, dans le 57. Et on est sur une exposition de voitures organisée par Damien, qui nous a demandé de venir filmer. Donc on vous a fait quelques petites photos, quelques petites rushs, 2-3 interviews sympas. Et comme ça, vous allez pouvoir regarder toutes ces belles autos. Et un petit coucou tout particulier à Dame Softroad. N'hésitez pas à aller le suivre sur son compte Instagram. Il vous embarque avec son magnifique 4x4 sur les routes de France et d'ailleurs. Donc, tu vois un beau plateau de véhicules, des motos, des vélos, des 4x4, des voitures américaines, des voitures japonaises. Pas loin de 300 véhicules aujourd'hui sur le parking du Kinépolis à Saint-Julien-les-Messes. Allez, on te laisse sur les belles images. Et bonnes vacances à tous. A plus. Tiens, on a le meilleur. Comment ça va? Chaud. On est avec... a battu le record de l'année dernière de fréquentation, tout se passe très bien. Donc l'année dernière, on a fait plus de 185 véhicules. Là, on a dépassé les 271. Damien, quel est ton rôle dans cette journée? Alors aujourd'hui, je suis donc co-organisateur de Car&Co dans le cadre des festivités de Saint-Julien-les-Messes, des festivités du 14 juillet de mon village. Et donc suite à une plaisanterie et sachant que j'étais un petit peu un passionné de mécanique, ils m'ont demandé bah, « Tiens, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas quelque chose ?» Et puis bah, de bout en aiguille, on a organisé cet événement et puis bah, voilà ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé à la deuxième édition et ça se passe très très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le plateau? Alors, sur le plateau, on a des voitures de prestige, on a des voitures d'exception, on a des gros 4x4 américains, on a des voitures américaines, on avait quelques mobs, on a quelques motos. Qu'est-ce qu'on a également? On a surtout des voitures anciennes d'avant 1990, des voitures populaires, on a vraiment toutes les catégories. On a quelques voitures japonaises, on a quelques voitures aussi publicitaires anciennes d'époque. On a vraiment un petit peu de tout, quoi. Et toi, c'est quoi là, ta préférée, ton style de préféré? Alors moi, j'ai moto, voiture. Alors j'ai un petit faible pour tout ce qui est Nissan Skyline, mais j'ai aussi un petit faible pour tout ce qui est américaine, Chevrolet Camaro et Chevrolet Corvette. Skyline GTR, les R32, c'est ça? Voilà, il y en a justement une juste là derrière, d'ailleurs, qui est un modèle très très rare et très coûteux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule là, jeune homme? AM General MV. Ouais, on dit AMV, MV maintenant. MV, c'est ça. Donc c'est un véhicule de l'armée américaine avec un moteur V8 6.5 litres diesel, boîte automatique 3 rapports, direction assistée, frein assisté. Okay. Ça se roule comme une Twingo. Qu'est-ce qu'il a fait comme conflit celui-là? Qu'il a fait tous les conflits des États-Unis depuis les années 90 en fait. Depuis le général Lee, la guerre voilà. De sécession. C'est ça. Bonne journée, jeune homme. Bonne journée.
on a oublié les troopers là. Est-ce que tu as d'autres mandats dans d'autres associations ? Alors oui, effectivement, je suis membre fondateur de l'association Les Mobs de l'Est, que j'ai créé il y a de ça maintenant 4 ans avec notre ami Franz. Quelle idée de... Comment c'est venu ? Alors en fait, c'est tout bête. Au départ, j'étais donc en train de rouler avec mon petit Peugeot Fox en centre-ville de Metz. Il y a des jeunes qui m'ont un petit peu titillé à un feu rouge. Et là-dessus, ils m'ont un petit peu gentiment allumé. Et je me suis dit, bah, tiens, ce que je vais faire, c'est que le prochain feu rouge, je vais leur montrer ce que j'ai sous le capot. Et donc, dans le respect, dans le respect de la limitation, n'est-ce pas? Et donc, au feu suivant, bah, j'étais devant et il m'a dit, ouais, monsieur, votre mobilette, elle marche, elle marche. Et puis là-dessus, il me dit, vous devriez aller sur Internet et vous devriez aller sur Mob France ou France Mobilette. Enfin, j'avais pas tellement tilté à l'époque, puisqu'à l'époque, j'avais un petit peu décroché la mobilette. Donc, ça remonte à 7 ans maintenant, même plus, ça fait maintenant 8 ans. Et 3 jours après, en allant sur Internet, j'ai tapé mobilette et c'est là que tout s'est enclenché. Je suis tombé tout à fait par hasard sur le site de VSX, donc le fameux site France Mobilette. Je me suis présenté et puis bah là, j'ai eu plein d'appels de gens qui ont reconnu les mobilettes que j'avais présentées dans Mobshop à l'époque. Et puis j'ai des contacts, des choses et d'autres. De bout en aiguille, je me suis dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, il y a de ça 4 ans, j'ai publié sur les réseaux sociaux donc une annonce pour essayer de créer un club de passionnés de mobilettes. Et puis, c'est comme ça que tout est parti. Et donc, là-dessus, j'ai trouvé quelqu'un qui avait les mêmes ambitions que moi, les mêmes envies que moi. France. De créer, voilà, France, qui avait envie de créer aussi donc, une association. Et on s'est rencontrés. Et puis de là, bah, on a décidé de se lancer. Et puis bah, voilà, bah, au jour d'aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que le club existe. Combien de membres ? Tout se passe... Alors, le nombre de membres officiels, je crois qu'on doit être pas loin de 117, peut-être même un peu plus. Et on est un peu moins de 2500 membres sur notre page Facebook. Et tout se passe dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Il y a une bonne entente, rien à signaler. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. You got one life to master it. Don't give up on your future.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ma Golf GTI, j'en mangeais plein des 205. Ouais. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Bonjour messieurs dames. Comment on va? Ça va bien et vous? Ça devrait aller, j'ai connu mieux dans le passé. Hein. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Oh oui. On était plus jeunes. On était plus jeunes, c'est ça. Donc on est avec des petits jeunes là qui sont dans une belle automobile. Donc c'est une Renault Rodeo, c'est ça, des années fin 70. Quelle année exactement? 80. 80 tout pile, ouais. 80. Ouais. Et vous l'avez depuis le début, c'est ça? Non, non. Non, j'avais combien? 80 000 km. J'en ai 126 là maintenant. D'accord. Et vous avez voulu la conserver alors? Oui, oui, parce qu'elle était en piteux état, j'ai été obligé de changer le châssis, les amortisseurs, l'embrayage, les pneus, l'alternateur, la pompe à eau. Enfin, j'ai fait plein de choses qui m'ont coûté cher et puis je veux la garder encore longtemps. Mais c'est la passion qui commande. Passion. Ah, c'est ça? Bah, c'était mon métier. Hein, vous étiez garagiste avant? Pas garagiste, mais mécano en tant que entreprise. D'accord, ok. Mécano dans le travaux public. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme belle automobile, hein, comme ça? Oh ben j'ai une Peugeot 2008. Ah, une 2008, ça. J'ai J'avais une 407 il n'y a pas longtemps. C'est un peu moins vintage. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes, 240 000 km. Ouais. J'ai eu des problèmes électroniques et tout, ça s'est additionné. D'accord. Et puis finalement, j'ai trouvé une très très bonne occasion, pas beaucoup de kilomètres chez Peugeot, 2008. Je m'en plains pas, mais enfin, c'était pas ce que j'avais rêvé. J'ai fait plaisir à ma femme. La Rodeo, il est en service depuis 1980. 1980, il a dit. 80. Ouais. Eh ben très bien, super. Bonne exposition. Ben, bon après-midi. Merci. Hein. Au revoir. Allez, au revoir. Qu'organise le club Les Mobs de l'Est? Alors, Les Mobs de l'Est, nous organisons tout au long de l'année différents événements. Alors, nous organisons des petites balades officielles, non officielles, qui ont lieu le vendredi soir et le dimanche matin. Donc sur Agondange. Sur Agondange, voilà, tout à fait. Avec une balade sans assistance, n'est-ce pas? Et ensuite, on organise aussi des balades avec assistance, avec véhicule balai derrière, véhicule ouvreur devant. Donc là, on peut faire un peu plus de kilomètres. Donc là, on va dépasser les 50, 60, 70, 100 kilomètres. Il y a des pauses au milieu. Avec des pauses régulières au milieu. D'ailleurs, pour les fumeurs. La balade, voilà. Donc on va dire qu'on fait des petites haltes
d'une part pour que les véhicules se refroidissent, les mobilettes se refroidissent un petit peu, ou alors éventuellement pour intervenir sur une petite panne. Voilà. Mais en général, ce qu'on fait, c'est que pour ne pas ralentir la balade, on met la mobilette dans la camionnette et on la répare à la pause suivante ou entre midi en général. Voilà. Donc on m'a dit que dans pas longtemps, le 29 juillet, il y avait un petit événement là. Alors, il y a notre ami Pascal Malassé, qui est donc un membre de l'association, qui est également vice-trésorier, qui a proposé donc de faire une petite exposition au Leclerc de Mézières, si je ne me trompe pas, donc qui permettra donc de présenter l'association et également de vendre des billets de tombola. Donc les billets de tombola, c'est pour donc cette fameuse mobilette qui sera à gagner et qui sera à gagner donc le 10 septembre pour notre manifestation annuelle qui aura lieu donc sur la place d'Agondange, la place de la mairie à Agondange, pardon. Voilà. Donc l'année dernière, on avait fait, si je ne me trompe pas, pas loin de 180 mobilettes. Donc on essaie de battre un petit peu le record cette année. Avec une nouveauté cette année, on a un orchestre qui sera présent, donc ça va être très sympa. L'année dernière, on avait un petit cascadeur qui était venu faire des petites démonstrations. Donc cette année, ça va être donc un groupe de musique, de musiciens. T'as pas réussi à inviter Sarah Lozito pour faire des cascades en moto, là ? Non, pas cette année. Et puis bon, bah, faut pas oublier qu'on est quand même une association toute jeune, donc au niveau budget, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Donc d'année en année, on va peut-être y arriver, pourquoi pas. Mais il y a pas mal de projets, il y a plein de projets dans les cartons. Sarah m'a dit qu'elle aimerait bien faire de la roue arrière sur ton super custom 103. Voilà, donc c'est vrai que mon super custom 103... Je vais mettre une photo ici, là, les gars. Ouais. Le fameux proto concept bike revanche, c'est plutôt une vitrine. À la base, il a été créé en fait avec 24 sponsors. C'était une vitrine, elle n'était pas vraiment conçue pour rouler puisque c'est un concept bike avec Peugeot Motocycle comme sponsor principal. Mais on va essayer de la faire rouler, effectivement. Mais bon, c'est plus une machine Chris custom, long ride, Zen, bon, il y avait un petit moteur quand même sympa dessus, mais bon, voilà, c'était pas le but. C'était surtout une mob vitrine, j'avoue. Ok, ben Damien, on te remercie et puis on te souhaite une belle manifestation. Ben, c'est moi qui vous remercie d'être venu. Et à la prochaine. Et à une prochaine, effectivement. Donc, on se dit pour la prochaine manifestation, donc soit l'exposition que notre ami Pascal Malassé organise donc au Leclerc, qui aura lieu le 29 juillet. Ou alors le 10 septembre, place de la mairie à Agondange. Ciao ciao. Salut. Open the door. Where does the tip of her finger? What she's up to is what I wonder. All bottled up. I'm an old boy trapped on her counter. But not for any longer. I caught her eye. She grins with grace. There's no escape. I'm losing face. Her concoction. Case. It's reaching for me without a trace. Wizard girl, cast your spell on me. Cast your spell on me. Can't take it anymore. Wizard girl, why did you pick on me? She's getting something. It's not the time to just linger. Gotta satisfy my hunger. Let's say we're not like we once were. Perhaps I just wanna become her. First I'll break free and set the pace. And hopefully I'll get to her base. Wizard girl, cast your spell on me. Cast your spell. Can't take
my favor. Your medicine, do you like its taste? Let it sink in, wanna hold your waist. I've waited quite for your embrace. Tonight our love will fill up the place. Wizard girl, cast your spell on me. Oh, I want it more. Oh, can't take it anymore. Wizard girl, now it turns to the sea. Yeah.